Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire écouter quelqu'un et puis on va commenter le reste, s'il vous plaît. Il s'appelle Monsieur Madifine Djane. Vous allez l'écouter, c'est très important. Bon, c'était important de vous entendre parce que Non, là. moi je n'ai rien à dire, monsieur. Un minimum de respect pour mon autorité. Oui, bien sûr. Je suis le premier responsable de cette région. Bon, RFI a parlé de mort quand même récemment dans les manifestations. Il y a eu des morts, on ne le cache pas, c'est à ciel ouvert. Oui. C'est avec peine qu'un citoyen, pour ou contre le système, soit mort. Notre souhait aurait été de les arrêter, si on pouvait les arrêter, que de les tuer. C'est ça la vérité. J'ai dit à tort, à raison, nous avons tort. C'est un de nos enfants certainement qui est mort parce qu'il est de l'effectif de ceux qui doivent être protégés par nous, qui a soulevé le mouvement. C'est l'État. C'est des gens qui manifestent pour s'opposer à un changement de Oui, constitution. donc c'est eux-là qui sont sortis. C'est ceux-là qui sont sortis avec violence. Ça, ce n'est pas notre responsabilité. Pour la première fois qu'ils ont manifesté avec armes à main, fusils de guerre, fusils calibre 12, de fabrication locale, des fusils de guerre tirés dans les établissements pénitentiaires et autres services de sécurité. C'est l'État qui va se casser là-bas pour prendre son arme et descendre dans la rue contre sa population. C'est de l'objectivité. On n'a même pas besoin d'interviewer. Ce n'est pas de la manifestation. C'est de l'insurrection. Mais est-ce que, par exemple, les gens qui accusent d'avoir les militaires d'avoir tué un ambulancier qui. C'est encore faux. Notre déontologie exige de nous, en temps de guerre totale, les parties en conflit, de protéger une ambulance. Donc ce sont les manifestants, ce sont C'est les. eux. C'est dans leur milieu que ça a été fait. Ils n'étaient même pas dans la zone sécurisée par nos services. C'est l'autopsie nous l'a prouvé. L'autopsie l'a prouvé. Aucune trace de machine. Aucune trace. Ok. L'autopsie est là. Aucune trace. Nous, on est des légalistes. Voici l'ambulancier, autopsie primaire. Il s'appelle Aliou Magalo, 50 ans, ambulancier. Pas de traces de balles ni de coups. Rien. Allez à l'hôpital. J'ai vu l'ambulance à l'hôpital. Qui a terminé déjà la mission. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur le corps? On a dit qu'il a été tiré par une balle? Non, non, on a dit que c'était des coups. Des coups? Oui. Qui t'a dit ça? Vous avez écouté M. Madifine Djane. Et là, vous avez tout compris. Je vous avais tout compris parce que lui-même, il reconnaît les erreurs du système. Et c'est ce système-là qui servait. On dit, tous ceux qui sont complices d'assassinats des enfants guinéens, tous ceux qui sont complices de crimes, c'est pas seulement vous avez pris un fusil, vous avez tué. Non. Vous occupez un poste de responsabilité très important en tant que gouverneur. Quelque chose se passe dans votre gouvernorat. Vous fermez l'œil là-dessus. Vous êtes complice. Alors, monsieur Madifine Djane, ne vous inquiétez pas. Vous serez tous cernés. Vous serez tous arrêtés un à un. Et vous allez répondre de vos actes. Ça, le peuple de Guinée sera sans état d'âme. Tous ceux qui ont, de près ou de loin, participé à ces crimes violents, à toute cette barbarie en République de Guinée avec Alpha Condé, ils vont répondre devant la justice guinéenne. Ça, c'est clair et net. Et le peuple de Guinée sera sans état d'âme envers vous. Parce que vous-même, vous venez de reconnaître là. Ça va se savoir. La Guinée est en train de changer. Et Inch'Allah, personne, je dis bien personne, ne pourra arrêter ce processus de véritable changement de la République de Guinée. Partagez largement cette petite vidéo. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.